Salut et bienvenue dans cette vidéo de conseils. On va pas parler des conseils du style est-ce qu'il faut plutôt dormir 6 heures ou réviser pour son examen? Est-ce que je dois manger une banane ou une saucisse pendant l'interro? Non, ça on en a rien à foutre. On va parler des choses un peu plus profondes, il va comprendre, mais ça touche tout le monde. Pourtant, personne n'en parle, surtout pas à l'école. Allez, on est parti. Avant de commencer, oui, c'est bien moi, le gars qui d'habitude t'explique les maths sur Matrix. Et ça, c'est ce que t'as l'habitude de voir, mes deux belles petites paluches. Dédicace à toi, ma gueule, qui suit Matrix déjà depuis plus longtemps, ça fait plaisir. Et voici une première vidéo où je vais pas parler de maths. C'est quoi ces conseils dont on te parle jamais à l'école? Déjà, j'ai besoin de savoir une chose. Est-ce que toi, tous les matins, tu te lèves avec la pêche et tu vas à l'école en mode je suis chaud, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, je kiffe. Non, pas trop. Ça saoule? Ça te fait chier? C'est bon, je vais rien dire, t'inquiète. Mais dis-moi vraiment, est-ce qu'au fond, t'as juste envie d'une chose, de leur dire bon les gars, j'en ai rien à branler, allez tous vous faire. Non, sérieusement, tu t'es déjà posé la question pourquoi ça te saoule tellement? Je pense qu'après des années, on pourrait quand même se poser cette question à un moment donné, non? Mais pense à la phrase suivante. On aime faire les choses où on est bon et on a tendance à détester le reste. C'est aussi simple que ça. Prends une matière que t'aimes ou bien que t'apprécies un peu. Parier ce que tu veux, t'as pas un 4 de moins dans cette matière. C'est possible? D'habitude, c'est comme ça. Mais ça, c'est logique si tu réfléchis. Ton corps, lui, là, il travaille pour toi. Du coup, ce qu'il veut, c'est te défendre. En fait, au bout d'un moment, tu vas même plus te dire « je suis mauvais là-dedans ». Tu vas juste te dire, de toute façon, ça c'est un truc, c'est pas fait pour moi. Maintenant, on va aller dans l'autre sens. Imagine-toi, allez, je prends un exemple assez banal avec le foot. Le premier jour où t'as le ballon au pied, tu sors, et là, tout le monde s'arrête, se dit, waouh, putain, ce gars, c'est une machine, prochain Messi. Dès que tu fais un n'importe quoi, les gens, ils sont là. Mais je te donne dans ta tête ce qui se passe. Tu vas dire, je suis le nouveau dieu du foot. Bon, là, il y a deux choses qui vont se passer. On associe un bon souvenir au foot et on a une confiance quand on parle de foot. Mais maintenant, on va un peu revenir dans la vraie vie où c'est pas toujours comme ça. Tu vas voir que malheureusement, c'est plutôt tout l'inverse qui se passe, surtout en cours. Ces problèmes peuvent commencer assez jeune. Imagine-toi, tu rentres au collège, la 6e, hein, c'est la vie rock'n'roll, tu deviens un adulte, les nouvelles chailles qui arrivent dans ta classe et ça loue pas forcément une petite que tu kiffes. Ou un gars, tu fais ce que tu veux. Du coup, ton cours de maths, quand il y a un prof qui parle des nombres décimaux, tu dis, bon, ces nombres décimaux, à part c'est la besoin, et je peux l'accoster, ils peuvent gentiment aller se faire. Un jour comme un autre, tu débarques en maths, et là, coucou, interro. Bon, là, t'as compris, il faut passer à la caisse. Maintenant, avec un peu plus de recul, comprends bien ce qui se passe. Supposons que moi, je sois ton prof, et ça fait 10 heures que je te vois baver comme un putain de lama. En train de mater cette meuf. Or pour moi c'est fini la belle époque où je vais te casser la gueule pour te réveiller ou t'exploser les doigts avec une règle. Non, sinon je m'entends. Qu'est-ce qui me reste? Or ce qui reste à un prof à ce stade là, c'est au stade où il ne contrôle plus rien, c'est la parole. Pas la voix, le poids des mots. Même maintenant si tu fais le malin, je m'en balise. Quand un prof, ou une autre personne que tu respectes on va dire, te traite d'échec, te dit que c'est foutu pour toi, que tu vas pas y arriver, t'as pas les capacités, mine de rien, ça travaille quand même là-dedans. Et là, ça oublie pas assez rapidement. Alors attention, je veux surtout pas accuser des profs, peut-être aussi les parents, on veut bien faire, on veut essayer de réveiller, essayer de stimuler la personne, ça fait tout l'effet contraire. Après, comme dit, ça passe tout ça, au bout d'un moment on oublie, mais il y a quand même une graine qui est restée, cette graine où, qu'est-ce qui s'est passé? T'as associé quelque chose d'extrêmement négatif peut-être à une matière. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, du coup, tu t'es dit, je suis pas fait pour ça. Tiens, c'est pas pour moi. Les excuses, c'est là où elles viennent. Et on revient exactement aux deux points d'avant, sauf que cette fois-ci, ils sont vraiment à l'opposé du Messi du foot. Or, mon but, c'est vraiment que tu te sépares de tous ces mauvais souvenirs et que tu repartes, entre guillemets, de zéro. Tu fasses de nouveaux liens avec, en tout cas moi je commence par les maths. De toute façon d'habitude tout le monde le déteste donc c'est un bon thème. Mais aujourd'hui j'ai l'occasion d'aller plus loin dans ce discours avec toi. C'est vraiment le but, c'est que tu retiennes ce message de cette vidéo s'il te plaît. Mec ou meuf, juste décide de croire en toi. Croire en ton potentiel, croire que tu peux y arriver. Alors c'est vrai, je connais pas ta situation, tu vas peut-être me dire c'est désespérant, il n'arrive plus à rien à faire. On s'en fout, on a les capacités en nous-mêmes
Bien sûr, il faut travailler, ça on en parlera dans une autre vidéo, t'inquiète pas. On a les capacités au moins par commencer à mettre en place une chose, de croire en nous. De croire en nous. Parce que si nous, on ne croit pas en nous, personne ne va croire en nous. On n'ose pas trop parler de ce genre de sujet. C'est la base de tout. Si dans ta tête, t'es pas bien, si dans ta tête, tu fais pas les choses avec plaisir, parce que tu crois pas en toi, parce que tu sais que c'est pas fait pour toi, comment tu veux avancer? Comment? Là, t'es posé chez toi, tranquille, t'as pas besoin de faire le beau, de faire accepter. Je comprends ça, c'est tout le monde passe par là. Je dis pas, il y a une pression sociale. Et là, tu peux vraiment te poser et te dire, est-ce que je crois en mes capacités? Et surtout, pourquoi je crois pas en mes capacités? Et si t'as l'honnêteté de t'avouer, parce qu'il faut être honnête et courageux pour le coup. Putain, c'est vrai que je doute tellement de moi, j'ai pas de confiance en moi-même. On décide de commencer à travailler là-dessus. C'est ça qui est important, c'est d'évoluer et de commencer à travailler là-dessus. Alors, je sais, hein, ça peut paraître un discours peut-être un peu trop avancé, ou genre t'es là, tu te dis, bon, le gars il pète juste un plomb. En tout cas, c'est ça que je voulais vraiment en parler. Maintenant, c'est toi, tu peux décider, je crois en moi. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, mais il fallait quand même que j'en parle. Parce que toutes ces personnes que je vois qui sont en échec scolaire, au fond, ils sont juste dans un échec mental. Alors si cette vidéo t'a touché d'une certaine manière, ou si elle t'a ouvert peut-être un champ de vision, et si tu penses que ça ferait aussi du bien à tes potes, tes proches, de la regarder, je compte sur toi pour la partager. Pousse-moi vers le haut, abonne-toi à la chaîne, garde la pêche, à bientôt. Abonne-toi et va taffer.